Alors cette restauration a duré 2 ans pour non seulement restaurer ce groupe de plomb doré qui était totalement corrodé, mais aussi tout un travail de fontainier, véritablement. C'est un métier incroyable qui est transmis de génération en génération au sein du château de Versailles pour rétablir les jets d'eau d'origine qui accompagnent le mouvement des chevaux et l'émergence de ce char depuis le bassin. C'est un art très raffiné, extraordinaire dans la tradition baroque. Ce bassin, évidemment, au cœur du parc, entre le bassin de la Thône et puis le Grand Canal, sur lequel auront lieu les épreuves équestres. Il y aura même, d'ailleurs, un moment, un passage sur le Grand Canal. Ce sera, évidemment, spectaculaire au soleil de l'été. Et ça continuera à faire vivre tout le projet de Louis XIV, avec cette perspective dans l'axe du coucher du soleil.